Bonjour tout le monde et c'est toujours un plaisir pour avec nous. Alors, dans l'émission si là et débat public, nous connaissons, c'est moi-même Isaac Cléo qui a assuré l'émission ça en absence de Junior chez enfant. Nous connaissons qui est en vacances et il a fait un mois dehors. J'en nous dit là et nous déjà demandé un peu l'excuse pour voir nous gripper. Et depuis la dernière émission qui nous a fait là, nous avons fait trois codes jobs. Hier, nous avons fait émission, nous avons arrêté et pour nous dit et consacré journée 12 janvier. Là, et pour nous faire ensemble de bagages pour nous sentir que nous n'en pouvons plus. Et par rapport avec dégâts, date ça, et fait dans la vie nous. Jodi a ki se 13 janvye, nou jeudi 11 jou, alors apre 12 an, alè di 12 an, 11 jou, depi nou te subi gro katastrof naturel sa. Se sak fe, jodi a, nou a fe yon emisyon spesyal, tre tre spesyal, se pou tèt sa pa gen bilten informasyon jodi a. Nous allons finir avec bulletin information. C'est une émission très spéciale. Côté, nous allons parler de plusieurs points extrêmement importants là-dedans. Et tout, c'est une émission qui chita sous bilan. Et nous allons regarder de 12 janvier 2010 à aujourd'hui. Et qui ça qui fait, qui ça qui réglé. Mais tout avant, nous allons essayer de regarder qui gens s'atteignent 12 janvier 2010. Et un ensemble de dates importantes après et 12 janvier, ça n'était qu'à aller pour séisme. Côté que nous avons pile l'opportunité que nous pas de saisir bien après 12 janvier 2010. Et puis pour nous reconstruire Haïti, j'en ai relé à l'époque. Et un plan de reconstruction d'Haïti qui était existé. Et sous 10 ans, ça veut dire quitter doué selon plan après 12 janvier post-séisme, et qui était commencé depuis 2010, qui était supposé finir 2020. Et qui ça est-il? Qui ça nous joigne là-dedans vraiment? Qui ça qui résout nos problèmes par rapport avec un ensemble de problèmes que nous toujours à confronter? Qui ça qui fait vraiment pas? Et nous allons regarder. Bon, nous-mêmes, probablement, nous avons une réponse déjà, parce que nous presque, nous pas un rien qui fait, un rien qui résout, un rien qui régler vraiment. Et non, ça qui vient pour eux, avec la catastrophe qui était passée 12 janvier 2010. Et puis, l'éclair, 12 et 14 août 2021, et une catastrophe passée toujours, nous avons des dégâts qui les fait, et qui fait la question, hein, et nous avons pas vraiment rien qui fait. Tout dans la question ça veut dire nous toujours pas jamais parer, nous venons plus vulnérables et toujours. Et par rapport avec 12 janvier, par rapport avec 2010 et nous en 2022, nous toujours vulnérables, nous toujours non à confronter tout problème yo, et nous toujours pas jamais avancer vraiment. Nous saluons tout le monde aujourd'hui, nous remercions tout le monde qui t'a relé nous, surtout mardi après une belle émission qui nous a fait. Sous et article qui était écrit et qui sorti dans New York Times et sous Rudolf Jahr après un ensemble d'interviews qui ont été fait avec jeune homme ça et qui impliquait li avoué selon article là que il était participé dans planification pour été et arrêter Jovenel Moïse c'est après le transformer en assassinat. C'est pas l'année aujourd'hui mais 12 janvier 2010 à 3 h 43 et pendant 35 secondes terre a été secouée avec une magnitude de 7. Nous connaissons ça déjà, nous connaissons ça yo, et qui t'a pral craser capitale pays d'Haïti Port-au-Prince avec aux environs ou ensemble de communes. Si n'a prend depuis Léogane, si n'a prend Gressier, si n'a prend Carrefour
nous on prend Port-au-Prince en général, nous prend Delma, nous prend Tabar, nous prend Cité Soleil, nous prend Croix des Bouquets et nous prend Pétionville. Un ensemble de communes ça yo qui étaient touchées, qui étaient écrasées des catastrophes naturelles ça et tremblements de terre. Je pense qu'il y a une multitude de tremblements de terre qui passaient après. Et 12 janvier 2010, nous avons dit, depuis après 12 janvier 2010, et presque chaque jour, presque chaque année, nous avons tissé ces tremblements de terre que nous subissons. Et deuxième gros vague tremblement de terre que nous subissons après 12 janvier, c'était 14 août passé à, et 2021 dans le grand sud pays. Côté après catastrophe ça t'est fin passé et qui t'est fait nous perdre presque 300 000 moun qui mouri selon pile chiffre yo bay 200 environ 280 000 moun qui mouri environ 300 000 moun victimes et environ 1 million et demi moun qui t'est sans abri moun qui perdit kayo kay qui crasé moun qui vin dans la rue. Eh bien, après catastrophe ça, pour me dire, qui rentrait dans l'histoire parmi catastrophes qui plus, qui détruit plus monde avec bien dans le monde, eh bien, qui t'a pas sensibilisé international là, ou ensemble de pays qui gagne cob ou qui gagne moyen, avec ensemble de monde tout qui gagne moyen pour te porter support yo, bah, avec Haïti. Et environ 30 pays t'ont contribué rapide après catastrophe ça et une dizaine d'organisations, alors l'aime parler des organisations, gros organisations internationales et t'ont contribué tout pour bail et t'es bail l'argent yo et de manière financière rapidement en urgence pour te contribuer à reconstruire Haïti. Yo te contribué dans opération urgence qui t'a fait en 2010 et même après 2010 tout pour te capable reconstruire Haïti parce que j'ai te dit tout à l'heure c'est une grosse catastrophe qui t'a détruit Pumba di Haïti, nous connaît qui sa capitale Haïti représente pour Haïti, ça qui cause, ça qui la cause que Jean Rele la République de Port-au-Prince, c'est ça lié vrai. Et nous parlons de tout, question République de Port-au-Prince, c'est ça qui la cause, c'est que tout dégâts ça qui fait. Eh bien, qui te fait tout le monde dans le pays, te victime par rapport avec catastrophe ça. Yo perdi un proche yo, un famille yo, un ami yo, un monde qui était vraiment pile, yo perdi. Parce que pas aucun monde famille, pas aucun famille dans pays qui pas gain proche dans capitale à vivre dans Port-au-Prince. Ça veut dire nous chaque perdi un monde qui proche avec nous qui vraiment pile dans catastrophe ça. Eh bien, j'aime te dire environ 30 pays t'ai contribué là avec l'argent. Te bay l'argent yo gros l'argent c'est parti l'argent et avec un pile l'autre organisation internationale avec ONG tankou Banque Mondiale FMI ONU tout monde ça te bay en pile l'argent et 30 pays si n'a prend 30 pays 30 pays selon chiffre que nous gagnons 30 pays avec Banque Mondiale FMI ONU te contribué environ 12 milliards de dollars pour te aider reconstruire Haïti après catastrophe naturelle ça. 12 milliards de dollars, ça veut dire qui dépassait largement des COP Petro-Caribéen demandé et qui était qu'à aider nous reconstruire Haïti, ça veut dire 12 noue là te gen bagaille vraiment pour te faire pour te repartir avec pays là pour te un gros pays après 12 ans. Eh bien sans compter don privé qui t'est venu. Ça veut dire et ensemble de monde bien particulier qui t'est bail et don yo, t'est bail aide yo et comme ça m'a parlé a, il pas rentré dans l'argent ou ensemble ONG t'est gagné dans mes, tant que Croix-Rouge. Plusieurs Croix-Rouge canadienne
française et nous connaît chargé quoi rouge en général dans le pays a et bien tout en coup et Médecins sans frontières tant coup Médecins du monde avec en pile ONG nous connaît ici c'est la République des ONG nous connaît quantité ONG qui gagnait tout ça yo te gagne pile l'argent là-dedans selon chiffre moi là seulement croix rouge canadienne gagné environ 227 millions de dollars dans même seulement croix rouge canadienne ça veut dire pour montrer nous quantité l'argent qui était disponible après 12 janvier 2010 pour être capable reconstruire Haïti vraiment Jean ça t'est sous papier après catastrophe la t'est fin passé et bien avant nous rentrer dans le détail je dis parce que nous avons ensemble de dates qui nous prennent date importante en question après 12 janvier dans plan et pour la reconstruction d'Haïti ça a été relé à l'époque PRH et bien nous ensemble nous pas regarder tout et ensemble de dates importantes et ensemble de dates importantes dans question côté ensemble de réunions t'est faites et ensemble de fonds t'est débloqué pour te faire ensemble de bagages personne monde pas jamais et vraiment et qui ça yo fait avec yo et bien jodia et nous pral passer un bon temps ensemble bon temps vraiment bon temps pour nous essayer garder ensemble question ça et son émission spéciale bilan mais son émission tout pour nous montrer ensemble d'opportunités qui t'est présenté et gagote tout international là les mêmes encore fait nan cob qui t'est disponible pour reconstruire Haïti après et 12 janvier 2010 et bien j'aime te dit et tout à l'heure selon Nations Unies en 2012 il sorti un rapport côté où te dit que dans tout fond qui t'est disposé pour Haïti comme te dit nous là environ 12 milliards pour ensemble de pays te bay avec organisation internationale et yo kode en 2012 62% te gen dépensé dans comme ça 2 ans après et 12 janvier 2010 et bien selon Jean Satayé l'agence a pas jamais venu directement dans le gouvernement haïtien c'est ça fait m'relé un gagote international là-dedans et parce que donateur yo à l'époque te chita pour dit que Haïti son pays qui était déjà faible nous connaît était déjà faible et bien 12 janvier 2010 te écrasé presque 15 ministères pour pas presque tout ministère qui était gagné alors local qui était gagné en pile monde tout mouri avec en pile technicien dans ministère ça yo en pile cadre te perdu la vie yo et même pas le national te écrasé et te écrasé tout qui beaucoup jamais reconstruit. Eh bien, yo t'ai trouvé Haïti pas gagné assez ressources humaines et techniques pour gérer fonds ça. Eh bien, donateur yo qui va vle livrer comme ça yo. Excusez, songe me dit non, on toujours grippé. Alors, m'pas vraiment gagne fièvre qui en plus monde gagne hein, mais et son grippe habituel mon compte gagne qui me gagne dans moment probablement sans pile chaleur avec poussière qui bon. Eh bien, comme ça va venir dans le gouvernement haïtien. Nous allons expliquer pour qui ça. Alors nous expliquons pour qui ça et donateur de bail comme excuse et nous regarder tout en réalité, tu un gros pas de vérité là-dedans. Mais est-ce que le gouvernement haïtien a géré le plus bien qui international là ou du moins parce que nous remarquer c'est un gagote international à faire dans question hein? Et ça il pas de vouloir river yo fait pire de même probablement est-ce que c'est parce que yo pas vle Haïti reconstruit tout le monde qui fait yo te prend décision ça et bien ça vient arriver yeah. Est-ce que c'est ça alors nous pas regarder ensemble et nous même n'a fait et conclusion pas nous tout de suite après tremblement de terre là ensemble de pays un paquet de pays te vin en aide le lendemain même. Et par exemple ensemble on paquet pays te voyer soldats yo rapide avec aide de secours
et tant qu'au Canada, tant qu'aux États-Unis, tant qu'au Brésil, tant qu'au en plus l'autre pays, t'es voyé soldats yo sur territoire haïtien non et mais des pays qui étaient toujours qui toujours en tête la question c'est les États-Unis avant tout avec le Canada et le Canada on quoi il était venu rapide avec environ et un ensemble de soldats en pile soldats 2000 soldats canadiens étaient venus sur territoire haïtien non surtout et à Jacmel et c'est eux-mêmes qui étaient débarrés au Jacmel là si n'a pas songé et selon rapport tout et ils ont construit en urgence l'hôpital l'hôpital Campagne Léo Gagnon qui était côté pour te Albert Moun soin en urgence moun qui était blessé et tout ça nous connaissons tout et quantité volume aide États-Unis t'es porté en urgence avec soldats américains qui étaient venus là en aide. Nous allons essayer de regarder, nous connaissons Haïti, j'aime bien dire à la son République des ONG. Nous allons regarder rôle ONG a été joué dans la question, dans la question gestion post-séisme en Haïti. Et un ensemble de programmes tout qui t'es gagné, qui t'es gagné pour être capable et blanchir l'argent qui était disponible pour reconstruire Haïti. Personne ne peut jamais côté et ça t'est passé. Parce que Haïti pas jamais reconstruit vraiment. Et la question. Eh bien, nous, pour aller essayer de garder un ensemble de dates, j'aime bien dire, date extrêmement importante, nous allons répéter plusieurs fois. Côté, nous pour garder date ça avec les gens qui ont participé dans un ensemble de rencontres, ensemble de réunions importantes, sommets qui étaient faits dans plusieurs pays. Eh bien, engagement ou ensemble de pays qui étaient pris et qui est-ce qui était représenté, qui permettent de nous comprendre. Et qui groupe moun avec qui famille moun qui te gagote l'argent post-séisme lan qui te gros somme l'argent qui est 4 fois plus gros que cob Petro-Caribéa que noa mandé que rien pas réglé vraiment pour pays a aucun moun pays a pas rete pour juste qu'on a pas jamais reconstruit et bien nous allons essayer regarder ensemble bien avant on va suivre émission débat public ça sont émission spéciale et très 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 spéciale. Et c'est moi-même qui potel pour nous, qui potel pour nous, j'aime te dire, cher enfant qui en vacances, et eh bien moi-même Isaac Léo, moi là pour m'assurer débat public pendant un mois, et eh bien et juste avant nous continuer, et n'a pas un coup de pause avec groupe technique, et depuis quelques jours, c'est moi-même qui fait émission, c'est moi-même tout, qui technicien tête moi, c'est nous MBC tête moi de temps en temps, et c'est ça qui cause, c'est moi qui enregistre l'émission. Alors, moi-même, présentateur, même technicien en même temps, ça veut dire qu'il y a plusieurs travail qui a fait, c'est ça qui fait, nous, de temps en temps, ma baisse tête. On a pas un coup de pause et on a retourné tout à l'heure. De détails sous question. J'aime te dire, dans l'émission, nous allons montrer l'opportunité qui t'est présentée après 12 janvier 2010 pour te reconstruire Haïti vraiment. Et nous allons essayer de regarder après, sur le plan politique, social et sur le plan économique, qui j'en saillais, qui j'en saillais et comment ça y est toujours en Haïti. Eh bien, 12 janvier 2010, jour 6, nous n'avons pas passé, nous sommes expliqués tout à l'heure, nous connaissons qui a détruit tout le monde, en pile le monde, tout le monde qui a perdu la vie, et ensemble de monde nous remet, chaque monde, bon, groupe monde, nous sommes hier, là, même regardé ensemble de commentaires, ou bien monde qui a poussé, ou monde qui a été perdu, ou proche, j'en sa triste, et moi-même, à chaque fois, et date s'arrive, moi toujours bon sel, et fantasme c'est essayer en vue de manger
aller faire manger. Et hier, je n'ai pas fait ça, mais je me suis dit 12 janvier, année passée, je me suis fait. Mais hier, non seulement je devais prendre repos, et puis je devais faire une recherche, ça, émission, ça, tout, je devais faire. Parce que 10 ans, pour 10 ans, je devais faire une émission comme ça. Et il faut que je me dise tout, je dis, alors hier, 12 janvier, fait exactement, et 12 janvier 2022, fait exactement 3 ans. 3 ans et pour me dire 2 ans et en plein depuis m'a fait émission télévisée, ça veut dire comme professionnel. Alors je compte participer nous ensemble de télévision télévisée, mais moi-même comme présentateur principal, ou du moins pour moi rentrer devant caméra pour faire une émission, et c'était 12 janvier 2020, et me songer 12 janvier 2020, alors il y a fait exactement 2 ans depuis m'a présenté émission et dans télévision Kif Kif. Me songer première émission que m'était fait, c'était 10 ans bilan 12 janvier, parce que c'est un dossier qui est important pour moi, parce que ça toujours prend à cœur, et quantité opportunité qui t'est présenté, eh bien nous pas saisi yo, et ça yo moi voulais nous comprendre importance question, hein, parce que ça est extrêmement important. Eh bien, après 12 janvier, depuis dans le lendemain, j'ai dit tout à l'heure, un grand ensemble de pays qui ont apporté aide. Aide d'urgence, par exemple, et support technique. Un peu de pays qui ont soldats avec aide, manger, nous connaît, hélicoptère descendre de côté pour manger de l'eau, parce que nous avons vraiment besoin de ça. Nous n'avons pas de côté priorité. Nous n'avons pas de côté priorité, nous n'avons pas de manger, nous n'avons pas de l'eau, et nous n'avons pas de l'eau pour nous boire. Et ça veut dire que nous avons une grosse nécessité pour question, ça y est, et bien, un ensemble de pays qui sont venus avec organisation qui ont aidé nous. Aider nous et rentrer dans en battante pour bailler nous tente et pour bailler nous de l'eau manger. Et bien, pendant que ça a venu, qui était essentiel, qui était important pour mon yo, parce que mon yo pas faire un peu le temps sans manger. Nous connaissons les gens qui étaient pas au connaissent ça, les gens qui fait combien de jours pas manger, pas boire, pas bien. Et y a marché à pied, y a marché à pied loin, pas rien pour mon acheter, pas rien pour manger, pas rien de l'eau pour boire. Mon yo pas, nous pas comprendre dans quelle situation inhumaine mon yo était. Et après 12 janvier, eh bien, nous remercions tout le monde qui a participé dans l'aide de Sayo, l'urgence Sayo qui était nécessaire dans le moment. Quelques mois après, c'est là que ma goyo a commencé à rentrer. C'est là qui est important pour moi. Et première date importante, nous devons kembe, après 12 janvier, c'était en mai. Ça veut dire quelques mois. Nous disons premier mois yo après 12 janvier qui salté et Dieu c'était pour te manger, pour te de l'eau, c'était soldat qui plus qu'on venir, hélicoptère descendre pour te manger et bateau te qu'on venir tout dans période ça pour porter aide pour Haïti. Mais grand aide m'a pas l'eau qui était là pour reconstruire pays qui intéressait nous, hein. Et yo commencé à partir de mois de mai. 11 mai 2010, il y a une cérémonie qui fait. Attendez. Une cérémonie fait et qui t'a gagné un pile gros palto dans cérémonie ici là. L'aim parler de gros palto sérieux 11 mai 2010. Mon cérémonie Banque mondiale et à l'époque secrétaire général Banque mondiale là, t'es là et t'a gagné plusieurs pays qui t'es là, t'a gagné Brésil qui t'es là. T'a gagné pays Brésil et on va le montrer nous pour qui ça me citer ce pays Brésil, c'est parce que Brésil jouait un rôle important et nan causer ça nan sommet qui était fait, alors nan cérémonie ça qui était faite là. Et cérémonie ça pas fait en Haïti, son cérémonie internationale et qui monde qui fait partie de groupe pays qui nan Banque mondiale yo té réuni et nan une cérémonie spéciale pour voir comment yo toué contribuer dans reconstruire Haïti. 11 mai pour 2010. Une cérémonie
pour voir comment yo pral engager yo nan reconstruire Haïti ça et la reconstruction post séisme. Attendez oui, la reconstruction post séisme 11 mai 2010. Première date extrêmement important après 12 janvier 2010, nous devons connaître dans plan reconstruction Haïti post séisme. Bon arrivé, en pile mon a toujours demandé content de tout on a en pile mon a demandé côté comme CIRH. Faut moi dire, nous allons et là nous allons arriver, CIRH il veut dire Comité Inter-Américain et pour la reconstruction d'Haïti. Et c'est date ça pour permettre nous comprendre qui ça CIRH là est qui rôle li dans question hein, qui ça était là pour le faire. Et bien dans cérémonie ici là, Brésil yo toujours considéré comme et pierre précieuse dans question ça et qui était tout qui était lancé premier pierre là, qui était fait premier pas. Le Brésil à l'époque Antonio de Aguiar Patriota qui était secrétaire général et ministère des relations extérieures dans le pays Brésil. Ça n'était carré et ministère des affaires étrangères en Haïti. Mais tout ça les mêmes qui étaient participé dans cérémonie pour Brésil. Et bien t'es signé ce premier pays qui était et versé COB signé pour bay COB avec Haïti pour reconstruire Haïti après 12 janvier 2010. 55 millions de dollars. Le Brésil signé et nous dit nous c'est Patriota qui était et Santé Carré le ministre affaires étrangères en Haïti mais qui était secrétaire général ministère relations extérieures dans pays Brésil. Dans sommet Banque mondiale était organisé et dans cérémonie alors pour y être penché sur question ça. Eh bien et gen Robert Joelic qui était président Banque mondiale, président groupe et Banque mondiale à l'époque là nous toujours dans 11 mai 2010 là et qui était content action le Brésil t'a fait et m'a besoin d'où Patriota t'es parlé pour lui dire le content le Brésil c'est premier pays qui signe qui contribue pour reconstruire Haïti parce que ça a été une priorité pour eux. Haïti fait partie des pays qui n'a en Amérique là dans Caraïbes là et bien participer dans reconstruire Haïti c'est participer dans reconstruire la Caraïbe en général et c'est ça Patriota t'a dit à l'époque. Et yo te bat l'estomac yo, c'est premier pays qui contribuye nan fond yo vle qui dispose pour reconstruire Haïti. 11 mai 2010. Eh bien, tout le monde te content. Tout le monde te content. Tout le monde te wè, c'est un bel geste. Et c'est ça qui fait tout. Même président groupe Banque mondiale à l'époque là Robert Joelic t'es content tout le t'es parlé les ça et c'est les ça tout président Banque mondiale à l'époque là t'es fait qu'on est gampé l'autre promesse qui fait pour ta créer un fond pour la reconstruction d'Haïti ça que t'es relé FRH là ouais ça FRH là plus important que CIRH nous toujours poser question parce qu'en plus fois nous pas vraiment gain bon information pertinente que nous doit connaître. Et bien après le Brésil fin fait ça en pile pays t'es senti yo droit rentrer à fond et rapide dans question pour capable reconstruire Haïti. Pas oublier là son question de politique internationale, influence internationale, tout ça rentre en question. Gen de pays pral rentrer là-dedans premièrement pour gen contrôle ça k'ap fait là, deuxièmement et pour parler de yo tout sur le plan international pour yo wè et niveau et humanitaire dans question. Bon, c'est pas la vérité. N'a pas avancé après cérémonie ça 10 mai 2010 là Brésil fin signé pour bail 55 millions de dollars pour
nan fon reconstruction Haïti a, eh bien, en pile moun nan international la avec en Haïti, te gen zizir. Et sa ki cause, secteur moun nan secteur privé, Nations Unies, en pile lot moun, yo te vle, puisque brésilien, yo mande pou gon un comité nan question, plusieurs comités pral kreye, pral gen comité pilotage pour fond, comité pilotage du fond, pral gen tout et comité et donateur, pral gen ensemble de bagay passé, pral gen en pile l'autre pays avec group moun qui pral vin bay kòb pour reconstruire Haïti. Eh bien, n'a pas avancé pour nous dire et la question. Avant nous prendre deuxième date qui est extrêmement important. Avant nous prendre deuxième date qui est extrêmement important, je voulais nous connaître. À l'époque, ministre en Haïti, ministre haïtien, c'était Belle Rive. Monsieur Seyou Namoun qui était opilant en pile dans fond reconstruction Haïti. C'est un nèg tout qui doit ban nous en pile explication parce que aussi té non monsieur en pile ouais au plus penché dans question et Petrocaribe et bien monsieur gagoté l'argent ça plus que Petrocaribe. C'est un nèg qui est extrêmement important pour nous en Haïti parce que il fait en pile mal avec pays a ensemble d'opportunités pays a gagné et bien li celle même qui connaît qui ça le fait avec opportunité ça mais sauf que nous tout ka remarquer en Haïti pas jamais changé ça qui passe en Haïti a toujours été depuis dix d'antan. Deuxième date extrêmement important probablement pour retourner sur date ça yo avec ensemble de faits pour qui lié avec date ça yo c'est 2 juin 2010 mais même si bon ensemble des dates petite date important oui nous pas qu'on citer là mais date ça c'est date clé pour nous garder dans causer plan reconstruction Haïti post séisme après 12 janvier 2010 2 juin 2010 gon sommet qui fait à Punta Cana en République Dominicaine mais j'aime bien dire ensemble de petites dates qui est important nous pas faut et n'a baillé de temps en temps oui dans sommet ça qui était fait en République Dominicaine côté te gain environ 50 pays qui t'ai participé là-dedans gain environ 500 participants ambassadeurs l'autre pays représentants organisations représentants société civile représentants monde en Haïti représentants et donateurs qui t'ai baillé comme yo ça veut dire c'est pas un petit sommet qui t'ai fait en République Dominicaine mon cher gros tonton sommet qui t'est fait à Punta Cana en République Dominicaine là nous en 2 juin 2010 sommet ça fait en République Dominicaine 2 juin après une réunion importante ça n'était carré une réunion internationale t'est fait à New York pas oublier presque toute bonne décision prend à New York n'a causé fond pour la reconstruction Haïti ou bien gestion fond ça qui s'approuve. Presque tout ça qui est au fait à New York. New York, nous connaît et c'est et capitale économique du monde. Nous connaît ses forces États-Unis, c'est là tout grand tour rien hier. Eh bien, nous grand petit monde. Ah, nous grand petit monde, n'essayer comprendre. Eh bien, réunion qui était faite New York là. Pas capable d'être ça. Réunion internationale ça fait le 31 mars 2010. Réunion te gon titre qui est vers une nouvelle Haïti. Attendez, vers ça m'a dit pas moi qui inventé donné exister, ça arrivé à chercher yo, yo disponible, gagne des documents qui là et à lier ensemble des rapports, n'a comprendre, ça m'a dit là, m'pas inventé rien, juste à chercher yo, faire recherche et puis moi-même m'a vinn dire. Vers une nouvelle Haïti. Réunion 31 mars 2010 s'est faite à New York. Côté tout donateur était là.
Et c'est là tout planifié sommet ça, sommet pour l'avenir d'Haïti, qu'on s'altérait, sommet pour l'avenir d'Haïti, t'es fait à Punta Cana, en République dominicaine. Côté que 50 pays, avec ensemble, et tout représentant donateur qui était là, et puis tout le monde important dans la question de reconstruction Haïti. Et bah, on est probablement qu'il doit être fait en République dominicaine pour plus accessible pour tout le monde. Ou du moins, c'est parce que nous connaissons en Haïti tout côté qui est bon espace, c'était Port-au-Prince crasé. Eh bien, c'est pour ça qu'on fait la République dominicaine, mais ce n'est pas là. C'est pas pour l'année. Eh bien, dans le sommet, ça, pays a contribué jusqu'à 11 milliards de dollars. C'est ça important. Sommet 2 juin 2010, là, c'est ça que je me dis, c'est date ça, on note. Sommet, cérémonie 11 mai 2010, ça, dis-nous, le Brésil baille le ton avec 55 millions de dollars. Il voulait contribuer, le sien voulait contribuer pour la reconstruction d'Haïti. Et bien, après la réunion 31 mars 2010 qui était faite à New York, côté tout le monde est là, il y a un sommet en République dominicaine 2 juin 2010, côté environ 50 pays qui étaient là, il y a signé, côté où voulait contribuer, avec une contribution jusqu'à 11 milliards de dollars pour Haïti, pour reconstruire Haïti sous 10 ans. Sous 10 ans. Bon, dis-nous tout. C'est pas encore bien qu'il y ait 11 milliards pour prolonger Haïti, non. Et bien, ça me dit non. Il a contribué qu'il y a bailli de temps en temps pour un ensemble de projets faits. Et bien, sous 10 ans. Parce que nous connaissons, reconstruire un pays par qu'à fait du jour au lendemain. Ça nous clair sous lui. Gon durée de temps et gon période. Et bien, après sommet 2 juin 2010, là, un ensemble de pays qui prend Zizirit, qui trouvait nécessité pour participer, tout. Date Samuel Bola, ces pays, ça y est, Calvin renforcé comme ça, qui était 11 milliards de dollars, eh bien, pays, ça a vu augmenter sous comme là. Le cas pour la Norvège et l'Australie, le 18 juin 2010, Norvège avec pays Australie rejoignent fonds reconstruction Haïti, ça qui les FH, non FRH là, fonds pour la reconstruction d'Haïti. Eh bien, la Norvège avec Australie, chaque pays ça yo a signé et environ 30 millions de dollars ont contribué. Eh bien, selon rapport qui est disponible, des pays ça yo aide yo te contribution yo te vin évalué à environ 100 millions de dollars dans fond. Mais 18 juin, te bay 30 millions, yo te contribué à 30 millions de dollars pour reconstruire Haïti. Tout ça m'a dit là, c'est pour reconstruire Haïti. Moi pas dans aide qui te konvin, d'une par exemple, moun te kon manger bonbon Blackberry, oui, moun qui te kon joine lettre. C'est pas comme ça m'a dit, c'est pas pour cause ça yo. En pile moun manger que tu es disponible. Comme ça, on m'a parlé là, c'est pour te reconstruire Haïti. Eh bien, je vais montrer nous, sommet que tu as fait là en République dominicaine, non? Qui ça t'a intéressé, là, où tu as et 4 milliards de dollars, ça. 4 milliards de dollars que tu as dit, il y a bail sous 10 ans pour Haïti en République dominicaine. Et non, sommet que tu as fait en République dominicaine. Eh bien, comme ça, c'est pour un ensemble de domaines clés. Yo te vle contribuer un ensemble de domaines clés Haïti. Comme ça, nous parlons à 4 milliards. Alors, à 11 milliards de dollars sous 10 ans pour te contribuer à Haïti, nous ensemble de domaines clés. Ça veut dire tout manger que tu comptes bail, tout ça que tu comptes bail, c'est pas comme ça, pas rien pour avoir. Comme ça, ma parole là, c'était pour participer dans reconstruire pays, par exemple, ou ensemble de nous connaît tout ça qui est écrasé dans pays, tout ça n'était gagné et question. Il y a quatre domaines clés qui ont été choisis, on va nous quatre domaines clés. On est en jeu là. Et c'est renforcement institutionnel, ça c'est un domaine clé. Alors dans plan reconstruire Haïti, c'est renforcement institutionnel, c'est la relance économique et le développement social et la refondation territoriale. Ces
quatre points ça OK ils ont été adoptés dans sommet qui était fait à Punta Cana dans causé vers une nouvelle Haïti et puis pour la reconstruction d'Haïti quatre points ça bon reprendre pour nous entendre c'est le renforcement institutionnel renforcer institution en Haïti c'est la relance économique permettre moun investisseur permettre yo jeune fond prêt permettre et entreprise yo vinn plus fort pour cause économique là et capable avancer dans pays ya et relancer économie parce que nous connaît presque toute et institution qui te connait rentrer comme en Haïti écrasé par exemple gros hôtel yo tant hôtel Montana qui écrasé et bien le développement social permettre moun yo et développer socialement et parce que si nous développons socialement ensemble nous pas premièrement tout dégâts ça pas fait deuxièmement et nous ta plus comprendre qui causer tremblement de terre comment pour nous comporter nous sur le plan social et bien comment pour nous avancer en tant que pays en tant que tel et la refondation territoriale là son point qui est extrêmement important jusqu'à présent pas jamais abordé en Haïti et bien c'était quatre points ça yo dans sommet 2 juin 2010 là et c'était pour quatre points ça yo j'étais disposé dans pendant 2 juin environ 11 milliards de dollars sous 10 ans pour c'était pour quatre points ça yo alors quatre points prioritaires on dit et bien après sommet 18 juin me dit nous deux pays pour venir rentrer et dans cause la Norvège et l'Australie et ils ont signé et même 18 juin pour une contribution de 30 millions de dollars et bien selon rapport yo yo dit l'Australie avec Norvège te contribué à environ 100 milliards de dollars dans plan pour la reconstruction d'Haïti. On a date extrêmement important dans question gain 5 août 2010 et côté Banque mondiale et li décidé pour li aider Haïti à éliminer ça y aurait les déficits budgétaires là nous tout en attendait Edia Emile tout en attendait Kessner Farrell nous pensait nous comprendre bien et on dit crasse qui ça qui causait déficit budgétaire là et bien et 5 août 2010 Banque mondiale prend décision si là pour lui aider Haïti éliminer déficit budgétaire. Côté li bay Haïti un fonds supplémentaire pour gérer question ressources publiques et gouvernement. 5 août 2010. Ça veut dire dette Haïti te gagné ensemble de bagay et qui te ka la cause toute faille qui te ka la cause déficit budgétaire dans pays ya et Banque mondiale aider Haïti éliminer et causer ça yo c'était le 5 août 2010 il était prendre décision si là et bien yo dit conseil d'administration Banque mondiale yo t'a approuvé jour ça 5 août 2010 là et yon don de 30 millions de dollars qui permettent Haïti éliminer c'est pas diminuer non éliminer déficit budgétaire et qui soutient yo soutenir gouvernement haïtien et pour lui renforcer avec transparence responsabilité dans secteur public dans pays d'Haïti et bien dont tout va l'ajouter nous sommes environ 25 millions de dollars dans qui sorti dans bailleur de fonds pour reconstruire Haïti ya sa FRH là et côté c'est Banque mondiale qui gérait comme si là côté et ça m'a dit là il y a ensemble interview qui te bail avec la presse et dossier ça tout ça était public. Pour qui ça? Yo te vle renforcer transparence avec paiement producteur électricité indépendant. C'était la question ça yo. Et
réinstaurant, yo te vle réinstaurer tout contrôle budgétaire et sous forme audit qui compte fait en dedans ak dehors nan administration publique, surtout nan ministère finance. Troisième bagaille, c'était pour faire appliquer la loi sous déclaration actif parmi membres gouvernement yo pour être capable réduire question corruption. Ça qui est le constat, ça au content de moun yo di déclaration yo fait moun yo fait par exemple l'obra occupe un poste dans l'état pour dire mais qui bien gagné mais quantité bien gagné et l'o quitter poste si là pour ouais quantité pour gros fait côté par rapport avec cob ou rentrer nan pendant nan poste là si ou pas détourner cob l'état pour faire affaire pas ces questions ça et yo fait tout moun alors est-ce que vous fait le vrai tout moun ki ta aller pour le responsable mon poste dans l'état t'as supposé faire ça ça yo et on pas songe thème exact là non thème juridique là et n'importe là les monter dans l'esprit m'a dit nous côté et pour tout moun qui va aller prendre un poste dans l'état pour faire déclaration et ça. Et comme si vous avez fait déclaration définitive des impôts, ça c'est pour citoyen, pour tout le monde, pour tout citoyen. Eh bien, tout le monde qui va occuper un poste, il faut que l'État connaît qui quantité bien que vous avez gagné avant de prendre poste là. Et là, vous prenez poste là pour que vous connaissiez qui quantité bien vous avez gagné après. Même comme ça, tout, et Banque mondiale, te prend pour aider nous dans la question. Hein? Vous devez renforcer tout. Réglementer question passation marché en Haïti et pour te garantir une application systématique avec nouveau loi dans domaine si là attendez oui et bien c'est toute cause ça qui te fait Banque mondiale te choisi te rentrer à fond dans question pour te éviter pour te et pas éviter alors bon prend mot à éliminer déficit budgétaire pays à qu'on a fait face yo ça veut dire la question ça Haïti ça supposé vin clean nous non 5 août 2010 18 août 2010 l'autre date extrêmement importante dans question après ça on va regarder quelques analyses sur progrès que nous fait oui qui ça est-ce qu'il fait progrès oui après sur le plan social politique économique mais on pense parti ça extrêmement important pour nous connaître 18 août 2010 faut moi dit nous on pas mentionner date qu'il a été fait élection qu'il est donateur ont décidé qui est-ce qui a géré question et question yo nous on pas entrer dans question ça dans même mois de juin tout de suite après sommet et faut nous dit gagne plusieurs comités qui en fait un paquet et entités qui étaient faites par exemple et mais FRH là, te gen en fait, te gen IHRC, te gen CIRH, tout ça yo nan question, mais IHRC a, c'est lui même qui était plus important pour moi. Et gen tout, CIDH, ça yo extrêmement important. IHRC a, c'est lui même Clinton d'ab dirigé a. A le dit nous elle important. N'a vini sou li après et n'a vini avec vous n'a vini sou yo après suivez émission partagez et invitez en pile moun garder émission si là parce que c'est un gros tonton émission qu'a fait là jodia ou émission pour l'histoire émission ça a fait et bien 18 août 2010 c'est la gagote commence à faire sérieux dans question ouais 5 août là question banque mondiale t'est engagé pour éliminer déficit budgétaire là mais gagote yo commencé en mois d'août nan cob fonds reconstruction 18 août 2010 30 millions de dollars pour la gestion des débris et le développement des entreprises côté que yo devait financer et fonds reconstruction ont été financés à un montant de 30 millions de dollars pour gestion débris qui était gagné nous qu'on était gagné pile débris et
pour développement entreprise dans le pays d'Haïti. Un montant de 30 millions de dollars. Qu'on y a question à poser. Pour juste qu'on y a un ensemble de débris, nous n'avons pas jamais mangé. Nous avons une question. Nous n'avons pas jamais géré des débris vraiment en réalité. Par contre, 30 millions de dollars font être approuvés, débloqués pour gérer question si là. Question financer et entreprise en Haïti yo. Si gen moun ki te konnen question sa te fait, ou a di m ni en bas live la nan émission. Mais tout moun constate pas vraiment gen renforcement ki te fait nan entreprise yo. Sauf kek entreprise gozoum tankou et Montana et Jodia nous connaît et Titanien qui gagne hein Jean ouais ou fait pour Titanien et bien ou fait ça dans Montana tout oui parce que nous connaît c'est la grand pile grand nèg te moui 12 janvier a pile nèg qui te gagne cob dans main yo a pile c'est là où tu perdit la vie yo et bien ou font mémorial Jean ou fait pour Titanien ou font mémorial dans Montana et bien 30 millions de dollars. C'est là que Mdougagot a commencé, gaspillage international a commencé. Pas oublier, pas aucun cob qui a débloqué sans fonds pas approuvé, sans donateur pas approuvé. Et moi dis nous, cob ça yo fonds, c'est pas le gouvernement haïtien qui t'a géré. Et même si gen moun nan et gouvernement haïtien qui était dans communauté qui a géré fonds, on nous dit ça tout. Et bien Jodia, n'a comprendre 30 millions de dollars pour te gérer question débris yo et pour te renforcer entreprise locale yo. Et bien c'est même août ça tout 18 août et Canada bail m'a ban une information Canada signé yon aide avec fonds moi du Canada te kitan sous sola le fond paquet travail déjà oui ça te travail personnel Canada signé bay fonds yon montant de 30 millions de dollars ça qui permet le Canada rentrer dans comité pilotage cap gérer fonds pour la reconstruction Haïti a oublier pour rentrer dans comité a pour gen droit pour voter dans question gon volume cop pour bail. Il sacre les qui finance commande là. Canada bail versé une contribution de 30 millions de dollars. Et ça permet li vini automatiquement membre comité pilotage là, elle gain droit de vote dans comité là. Là nous en août 2010. Quelques mois après 12 janvier 2010. Eh bien, comme il a dit comme ça que comité pilotage là pour comité pilotage fonds reconstruction Haïti là dans Port-au-Prince, il réuni dans Port-au-Prince après Canada finit comme ça, il réuni là nous toujours dans mois d'août. Là nous en 17 août. Il réuni. Eh bien, puis t'es capable honorer et pas moi qui dis long, appelé pour nous deux demandes financement avec et groupe CIRHATF comité international pour la reconstruction d'Haïti. C'est ça haïtien toujours à poser question parce que c'est IRHA qui s'alte là pour le faire lui-même. C'est lui-même qui fait demande yo. Et lui-même qui vient avec projet. Mais qui ça qui va le faire? Et puis il a présenté le fonds de développement pour la reconstruction. Et puis fonds de développement pour la reconstruction. Et validé demande là. Et les débloquer COB qui est disponible là. C'est comme ça qu'on a dit. Et bien, deux demandes que CIRHA te fait. Là, nous en août. 17 août 2010 là. Il te fait. Et bien. Yo dit que premier c'était gestion débris
avec cause recyclage. Et cause recyclage là, eh bien, côté c'est ONU qui t'a géré cause ça. Nations Unies. Là, me dit nous sommes gagot international là, nous ne doit pas comprendre. Seulement cause recyclage là, t'écouter 16,95 millions de dollars. Et yo fond te supporté entièrement. Yo te supporté li entièrement. Attendez oui. Eh bien, reste comme là et nous quoi ça va faire avec 30 millions de dollars que yo décaissé. Yo décaissé 18 août là. 17 août. Yo fait demande là, bah yo fait rapide comme c'est urgence à gérer. Bah yo fait rapide. 17 août, yo fait demande là. 1. 16,95 millions de dollars pour gestion et recyclage avec cause débris. Et l'autre quoi encore 20 millions de dollars, yo te mandé tout. Et yo te mandé tout. Pour un projet et banque interaméricaine te bail environ 20 millions de dollars alors il pas mandé yo te bail pour causer ça dans question et eh bien après gestion débris a et avec renforcement entreprise yo débloqué 30 millions de dollars 18 août 2010, j'aime dire nous. Et ce comité interaméricain pour la reconstruction d'Haïti, CIRH, qui fait demande si là. C'est là, dit nous, comme là, comment c'est gagoté. Eh bien, l'autre date importante, nous devons connaître la question. Moi m'a ban nou date pou nan chèche res detay yo tout. C'est 15 décembre 2010. Date sa extrêmement important, Makel. Parce que gon somme lou ki débloqué. Moi m rete nan l'école yo débloqué et pour qui ça a été bloqué, débloqué yo. M'a rappelé que kòb yo débloqué c'est fonds pour la reconstruction d'Haïti ya. FRH là qui débloque et c'est CIRH qui fait demande yo. Li approuvé par CIDH IHRC. Tout moun sa remete ou d'accord pour ça fait. 102 millions de dollars américains approuvé le 15 décembre 2010. Pour qui ça comme ça? Pour qui ça comme là? On va regarder. 1. Yo dit comme ça, c'est pour projet reconstruction de logements dans Port-au-Prince. Et projet ça, projet reconstruction logement a coûté environ 65 millions de dollars. Et comme ça, et projet ça, qui est-ce qui t'a géré le souple? Banque mondiale. Banque mondiale, 65 millions de dollars. Un projet qui mis en œuvre, qui mettait en œuvre par Banque mondiale, par la Banque mondiale. Deuxième bagaille, pour qui ça comme ça débloqué? Là, nous en décembre 2010, 102 millions de dollars américains. Deuxièmement, comme là, débloqué pour démolir et enlever débris avec gros équipement lourd pour un montant de 25 millions de dollars américains Nations Unies Pabli était gagné 30 millions de dollars déjà pour même causer et débris ça oui faut comprendre oui parce que faut joindre une excuse pour débloquer comme et malgré qu'on ne sait pas ça pour le faire vrai, parce que ça va jamais fait,
Si elle a débloqué 30 millions de dollars, mes amis, monsieur Stéphane qui l'a. Seulement, Léo gagne pas de grand pile qui a écrasé. Gressier pas de grand pile qui a écrasé. Cafou pas de grand pile qui a écrasé. Connecté plus qu'à c'était pour le prince Delma. Pétionville. Eh bien, 30 millions de dollars, t'es gagné débloqué. Non, 30 millions de dollars. 16 millions de dollars. Là, dans le pour retirer débris. Pour question, gérer, causer, recyclage, mes amis. Et pas tout Haïti écrasé. Pour nous débloquer encore 25 millions de dollars. Nations Unies t'a géré question ça. C'est pour me dire nous son gargot international qui t'est fait dans causer ça. Dans faire mission ba l'expliquer pour que ça me prend temps pour me faire ça. Pour qui ça encore là nous toujours en décembre 2010, 15 décembre comme ça débloqué un montant de 102 millions de dollars débloqué. M'a dit pour qui ça? Troisième bagage qui fait débloquer comme ça. C'était pour capable mettre un projet d'éducation, ça me d'accord. Mais un montant de 10 millions de dollars, projet ça t'a exécuté par Banque Interaméricaine de Développement. BID. Toute information te qu'on revient fait sous question tremblement de terre en tout provinciaux, c'était l'argent ça, 10 millions de dollars américains pour projet d'éducation. Jamais, yo pas jamais rentrer l'école yo dans question parce que mais ces projets d'éducation contre l'école yo. Comment l'école qui t'est participé dans projet ça? Dans nous dim. Combien l'école qui participe dans projet? Dans nous dim. Mais comme l'a débloqué pour projet d'éducation environ 10 millions de dollars, c'est BID, Banque Interaméricaine qui t'a exécuté projet ça. Toujours en décembre, comme l'a débloqué pour qui ça? 102 millions de dollars t'es débloqué pour qui ça? Et renforcement des capacités dans la gestion des risques avec désastre. Mais c'est négo pour nous pour imbécile en pile oui. Projet d'éducation qui s'allie encore là. De quoi ça? Ça rentre dans le projet et d'éducation sous question risque avec désastre là. Mais là encore même si on table fait parce que grand aspect technique dans question ça. Yo 2 millions de dollars. Ça c'est encore ONU, Organisation des Nations Unies qui t'a géré question ça. 2 millions de dollars. Eh bien font ça alors financement ça comité ou bien commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti CIDH, c'est lui même qui CIDH là, c'est commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti qui t'est mandé comme ça là, c'est pas c'est CIRH qui t'est mandé. Faut comprendre une question. CIRH, c'est Haïtien qui t'a géré. Attendez, oui. Haïtien qui t'a géré, CIRH. Nous va excuser, moi, même dis-nous ça déjà. Nous grippé. Mais il faut que je fasse émission et historique ça. CIRH, Haïtien t'a géré. Mais CIDH, c'est pas haïtien. C'est une commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Gardez pour vous. Dans tout groupe qui est débloqué, dans 102 millions de dollars, vous pouvez tout groupe qui a géré la question. C'était ONU, par exemple, c'était Banque mondiale qui gérait 65 millions de dollars pour projet logement. C'était pour question démolition avec enlèvement des débris. 25 millions de dollars, c'est Nations Unies. Et 10 millions de dollars pour projet éducation, c'est BID. Renforcement, capacité et la question risque des as, c'était toujours Nations Unies. Mais à comprendre, qui est ce groupe qui était dans CIDH qui était demandé 102 millions de dollars américains et en décembre, 15 décembre 2010, et qui t'a approuvé, yo bail fonds développement
et pour reconstruire Haïti, bayo kòb si la. Yo bayo kòb la. Ça veut dire yo jwenn kòb la. Et ben nous-mêmes, n'a fait tirer recherche par nous dans question. C'est moi même pas bien ban tout bagaille là, m'a mettre sous piste pour nous comprendre. L'autre date important dans question. L'autre date important dans question. Pour nous connaître, moi m'a bien dit nous si nous voulez la comprendre. 9 janvier 2010, on l'autre somme cop débloqué. N'a causé débloqué par fond pour la reconstruction d'Haïti. Qui est-ce qui t'a demandé cop ça pour qui ça t'a débloqué? On nous garde. 9 janvier 2011, 193 millions de dollars fonds débloqués. 193 millions de dollars. Pour qui ça comme ça? Toujours. Et yo trouvé, pas oublier, 9 janvier 2011, un an. Et pendant 6 mois, fonds commencé à fonctionner, pas oublier, m'dou fonds pour la reconstruction d'Haïti a commencé à fonctionner et en juin. Le 19 juin, janvier, février, mars, avril, mai, juin, 6 mois après 2 janvier dépassé, et bien 6 mois après vinnan janvier 2011, 6 mois après yo en fonction, et bien yo débloqué 193 millions de dollars. Encore. Pour qui ça? Toujours pour même cause, yo te débloqué quoi bio? Pour retirer débris, pour question logement, pour question et renforcer et entreprise. Eh bien, pendant comme ça a fini débloqué, gagné premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive. Li mandé pour yo créer la parler dans nos gouvernement. Pour créer une autre entité dans la question. Jean-Max Bellerive senti, par contre, c'est parce qu'elle t'a senti ou bien Haïti t'a senti, yo manqué gain contrôle ça qu'a fait là. Yo manqué gain contrôle comment fond a géré et yo vinn remarquer c'est international là qu'a braché, qu'a coupé dans la question. Yo là y a suivre, yo plus a suivre. Il y a bayo ti kaka an et puis yo va contrôle livré pendant ce temps fonds disponible pour Haïti. Eh bien yo dit commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti qui vinn kounya dirigé par le gouvernement haïtien. Et là, nous n'en janvier 2011. Attendez. Il dit, côté gon ensemble nèg en Haïti pral important dans question. Et là, pral gen plus gagote qui fait tout. Pas oublier, m'dou, souci nèg yo en Haïti, c'est pas de gagote international qui fait dans question, non? C'est parce que vous te senti vous manquez impliqué ou même, vous manquez jouen. M'di nous, en janvier, après yo fin débloqué comme ça par fond, hein? En janvier 2011, Jean-Max Bellerive, probablement tout gouvernement, décide d'entrer plus fond en question. Hein? Et bien, yo commence à créer l'autre comité qui pour travail de conseil avec le comité là déjà, pour yo gen contrôle sa kap fait et avec fond. Hein? Et bien, yon ensemble de moun important dans le gouvernement haïtien qui vient impliquer, notamment Jean-Max Bellerive qui était déjà impliqué. T'es premier ministre à l'époque. Et t'es gagné ministre finance dans tout pour l'impliquer jusqu'au coup dans la question. Et Ronald Baudet, qui était ministre finance à l'époque, tout, yo vin créer un comité pilotage
en dans fond un comité pilotage. Eh bien, pour qui ça a été venu faire ça, pour te gagner plus efficacité dans causer aide dans le pays. Eh bien, moi mettez nous sous piste, il y a un ministre finance en Haïti, il y a un ministre et planification, il y a un premier ministre Belrive. Moun sa yo, c'est des moun ki ka bo explication, yo ki dwe bo explication nan koze CIRH la zanmen. Comité Inter-Américain pour la reconstruction d'Haïti, CIRH la zanmen. C'est moun sa yo, le yo senti après et en janvier 2011, yo vle yo vin rentrer à fond nan question plus à fond pour montrer ça là pour yo faut que c'est eux même qui gérer. Eh bien là mettez nous sous piste, nous même n'a cherché depuis bien longtemps. L'autre date important ghetto pour entrer à fond dans question en tout pour commencer dans question 19 janvier 2011 on l'autre COP pour débloquer par fond pour la reconstruction d'Haïti et nous pral wè dans petit pays ça. Et 19 janvier 2011, bagay yo commencé, Haïtien commencé entrer là dans le plus. Et gagot commencé fait plus. Biret nan question. Hein? Yo di gon ensemble de projet bidon pour commencer entrer dans question. Hein? Yo vin un projet 19 janvier 2011 côté yo pral fè 50 000 kay parasismik en Haïti. Alors, yo pral fè kay, bon di ba la Jean l'écria pour 50 000 moun. Et yo pral fè wout tout. Yo pral pote de l'eau. Yo pral fè assainissement. Et projet ça doit toucher environ 210 000 personnes. 210 000 haïtiens projet ça doit toucher. Fonds approuvé et liban en subvention pour projet ça en hauteur de 65 millions de dollars américains. Attendez. Là nous nan 19 janvier 2011. Pas oublier m'dou. Jean-Max Belrive pété coquin. 9 janvier 2011. Après, yo te fin débloqué 193 millions de dollars. Yo pété coquin. Eh bien, yo vin avec un autre projet. Projet bidon haïtien yo. À la haïtienne. Cette fois-ci, à la haïtienne. Vraiment à la haïtienne, non? Parce que projet, ouais. Même dans le rapport, même dans le projet, il n'y a pas vraiment un ensemble de points importants pour le travail sur lui. Mais sauf que, je nous l'idée. L'idée, c'est pour y aller construire et caille pour environ 50 000 personnes, pour les jeunes blocs, pour les routes qui fait et pour faire assainissement, de bout en de assainissement, question à l'haïtienne net, pour environ 210 000 haïtiens qui ont touché. Pas question. Hein. Eh bien, fonds pour la reconstruction d'Haïti, yo approuvé projet a et yo ba une subvention ça veut dire yo pas et financé entièrement à un niveau de 65 millions de dollars à vérifier côté que pour ça t'est fait pour ça fait yo projet a qui ça t'était même rabla qui t'est répété avant yo projet. Ce projet de reconstruction d'habitation communautaire dans plusieurs zones qui étaient touchées dans la région. Avait dit tout ça m'a dit et l'autre côté pas dans c'était dans région métropolitaine pour le Prince. Retirer les débris dans les zones même avait dit chaque fond débloqué retirer débris. Mais c'est j'ai l'impression débris au fait petit et au fait petite à la chinoise parce que chaque fond débloqué vous tendez retirer débris raison simple débris toujours la vraie dans yeux monde chaque fond débloqué vous pas en retirer vrai côté vous faire avec vous
poser question ça. Eh bien, dans la zone, yo, fournir des subventions en espèces pour réparation logement structurel solide et dans la zone métropolitaine, non, et pour kay qui te détruit avec kay qui te endommagé. Réparer et améliorer route et pour gagner drainage qui fait et pour moun jwenn de l'eau et pour faire assainissement. De l'eau potable, bon de l'eau. Eh bien, comme ça tout, c'était pour procéder en planification urbaine et la faire une cartographie risque avec désastre pays à café face et un exercice cartographie communautaire à travers des centres communautaires de reconstruction. Eh bien, c'était pour ça. Et Jean-Max Bellerive, Ronald qui était ministre finance à l'époque tout, c'était pour ça que tu as goumé. Eh bien, il te joint comme ça, 19 janvier 2011, il joint approbation pour joindre environ 65 millions de dollars américains. La question. Et nous même n'a analyse pas nous en fonction de ça nous te connaît et en fonction de ça nous te vive dans la période là na wè causé l'autre date important mais date ça tellement important regardez on va prendre une petite pause pour nous respirer pour nous prendre un petit de l'eau n'a retourner pour nous wè parce que gen bagaille nous va parler nous pas ca monter sous lit quitte me prendre une petite pause quitte me faire un petit respirer n'a retourner. Question hein? En pile mon attend pas oublier les 12 janvier dépassé et Michel Martelly pour co président c'était Préval. Eh bien on a regardé qui Walt Toro ça va jouer dans question dans gestion fonds parce que comme ça on va venir sous pouvoir là en pile dans comme ça dès mars 2011 bon l'autre cob qui débloqué comité pilotage là li approuvé alors pilotage comité pilotage fonds pour la reconstruction haïtienne là FRH là li approuvé à un montant de 52 millions de dollars pour de nouveaux projets. Attendez oui 52 milliards de dollars millions de dollars, ici, 10 milliards en plus, pour de nouveaux projets. Qui projet oui? Même Charabia, nous en a répété de temps en temps. C'est ça, nouveau projet. Il n'y a pas trop d'explications dans le rapport sous projet ça. Mais, n'a pas rappelé nous, dès mars 2011, il y a débloqué comme pour de nouveaux projets. Qui projet a été? Toujours projet logement. À prévention pour causer risque avec désastre dans le pays d'Haïti. Nouveau projet, ça c'était ça.
52 millions de dollars américains. Fonds débloqué, li approuvé, li bay la question. Eh bien, dans la période ça tout, gen l'argent qui commençait à rentrer. Gen l'argent qui rentrait dans la question. Gen l'autre pays qui bay kop. Un pays tant que Japon. Un pays tant que Espagne. Gouvernement yo nan di y a bay kop nan fond pour la reconstruction Haïti. Yo di chaque pays sa yo, Espagne avec Japon, yo bay 30 millions de dollars yo chaque pays sa yo pour te supporter Haïti. Eh bien, faut qu'on dit nous, l'agence a aussi un ensemble de pays qui gagne quoi, et n'en fait mission en bras ensemble de pays, comme on a fait rentrer tout pays qui était rentré, non, supporter Haïti après 12 janvier 2010. Mais l'agence a moins d'où là, après 2 mars 2011, 52 millions de dollars débloqués pour projet logement avec prévention et post-séisme. Prévention pour question risque avec désastre en Haïti, 2 mars 2011. Gen l'autre date important encore. 13 avril 2011. Un projet bidon pral rentrer en question. Côté pral gagoter un paquet l'argent. Dans question. 2 mars 2011, alors, on quitte 2 mars là, 13 avril 2011, yo pral fon projet. Kote yo di yo pral aider 231 000 élèves en Haïti et tout 70 000 agriculteurs dans le pays d'Haïti. Là, nous en avril 2011. 13 avril, FRH approuvé projet ça. Moi-même, ça intéresse tout projet yo, FRH approuvé yo, et le d'accord ba yo kop. Ma kon comment yo te fait avant, de manière officieuse, comment ça te yé. Ma kon comment négociation te yé, de manière officieuse, mais moi-même, ça m'en ba wa, c'est information officielle. Eh bien, après date ça, alors, 13 avril là, 13 avril 2011, là, ça nous doit kembe. Projet pour aider 231 000 élèves et 70 000 agriculteurs. Yo vle moun sa ou bénéficier de financement. Si nous ne connaissons pas qui sa projet a été, côté 231 000 élèves et 70 000 agriculteurs, moun sa yo, yo pral aider yo financièrement. C'est sa projet, mes projets. Projet ça, yo pa vraiment accentué sous volume cob que yo te débloqué pour li. Mais gon baga important, nous le connaît. Après 13 avril 2011 là, selon rapport qui disponible sous Kozea, yo dit comité pilotage cap gérer fonds pour la reconstruction Haïti a fait qu'on ait 20% nan dépense. Yo fait 20%. Yo dépense 20% nan kob ki disponible ki te doit dépenser yo pour reconstruire Haïti. A veut dire 20% rete 80. Veut dire rete en pile toujours, mais nan 20% mes amis, en pile bagay ta doit en fait. Ça veut dire, mais nous, 20% dans qui ça a été tout projet accentué sur ce bagaille. Retirer débris, recyclage, et aider les gens, éducation,
sensibilisation sur question risque avec désastre, c'était ça yo. 20%. Et bien dernier groupe moun qui rentre dans loi là, c'est élèves. Moi à l'époque, j'étais élève, m'a songé me compte bagaille ça. M'a songé aucun moun dans entourage mais dans plusieurs écoles m'étais passé dans période là parce que dans période ça 13 avril 2020 et 2011 là m'bat l'école dans Port-au-Prince de l'école dans sud dans Okaï parce que après 12 janvier c'est là m'étais l'école. Mais tout ancien base mon abord presse me bat tant de hôtel jeune aucun financement non peut-être nèg dans studio là pas gen nèg qui grand assez dans studio là. Après 12 janvier était toujours l'école classique monsieur est-ce que nous jeune un petit bail dans comme ça yo? Ça veut dire tout la garde tout mon entourage mon était élève à l'époque les difficiles dans 231 millions élèves alors 231 000 élèves pour me pas gagner de trois mon proche mais là dans monsieur qui jeune un petit bagay. Et j'aime qu'on aime te tek tek, j'en fais même te tek tek, pour pas gagner yon qui te joue nou ti bagay. Eh bien, 70 000 agriculteurs, dans mes connais, est-ce que te gagne même gagne 10 agriculteurs qui te joue nou ti bagay nan comme ça que te débloqué pour yon? Eh bien, moun sa ou tapra l'accompli 20% dans des dépenses qui gagne en fait. Pour la reconstruction d'Haïti. Et comme si m'te ka di 20% dans ça ou t'es espéré ou gen tan fait ou même si m'di le comme ça, mais selon ça ou dit, c'est 20% dépenses qui fait. Si 20% dépenses qui fait, avait dit gen pile bagay qui fait. Eh bien, l'autre date important on date tout qui t'es fait en pile parler. Et nan koze tout moun ki te implike nan kesyon c'est juillet 2011 côté FRH la mde ka di pral koné pou ki sa ba koné nou pral ese gade c'est là mambo an plein ba Michel Michele Matéli et Michele pral rentrer dans question. Michel Matéli pral déclarer 22 juillet 2011 que le FRH c'est un sous-clé pour la reconstruction d'Haïti. Oui, c'est un sous-clé vraiment. Parce que volume comme ça yo que yo te disposé pour Haïti ya yeah? C'est un sous clé pour te Haïti te reconstruit mais dans les détails est-ce que Jean t'a géré fond en te bon nous ganti moun nous ka faire analyse pa nous ka wè est-ce que Haïti t'a reconstruit vrai nous même n'a ka vivre en Haïti nous wè nous ka wè réponse yo pour quoi nous eh bien selon Michel Matéli, ça veut dire nous pral wè force oui Michel Matéli pral bay nous wè force oui Michel Matéli bay FRH là et puis terrain le bay li bali pour galoper sous nom pays d'Haïti avec question reconstruction Haïti a nan moins passé un an Fonds pour la reconstruction d'Haïti. Yo financé avec un montant de 237 millions de dollars pour 14 initiatives de reconstruction. Mais c'est 14 initiatives hein? Ou pas ouais, même you non pas ouais ça le fait. Même c'est la question hein? Yeah. Eh bien, nan mwes ke un an, yo dekese plus passe 71% nan kob ki te disponible pou reconstruire Haïti a. Se pa mwen bay chifyo, non, se pa mwen bay pourcentage. Tout disponible.
Fais recherche on a besoin. Soixante-onze%, 14 initiatives, 237 millions pour 14 initiatives. Initiative pour la reconstruction. Michel Matéli fait éloge là nous en juillet 2011 pour fond pour la reconstruction d'Haïti. M'bral dit nous. Michel Matéli déclaré époque là. FRH là, c'est un support financier de taille qui est extrêmement nécessaire pour yoka assurer processus de reconstruction Haïti ya. Et c'est une priorité pour Haïti. Nan cause agriculture, nan cause création d'emploi, nan créer un climat qui propice pour moun vini investir. C'est la Haïti open for business pral vini. Écoutez. Eh bien, pour toute raison ça yo, Michel Matéli te estimé à l'époque tout Haïti doit engager yo pi bien pour yo reconstruire Haïti de manière efficace pour le bénéfice des Haïtiens. Mot pour mot, ouais, il m'a appelé de temps en temps. Ça m'a dit là, c'est ça Michel Matéli te répété le 22 juillet 2011. Et nan moment, il était dans gros rencontre officielle avec donateur yo, moun qui te fait partie de fonds reconstruction Haïti. Il était le président de la République. Ça veut dire ça qui t'a pral le bay nèg kap jere fon yo la famille Clinton pral commencer pral rentrer plus toujours nan gagoter l'argent pays a parce que nan période et nan ça faut mwen di que malgré tout 14 initiatives qui te prend yo débloqué environ toute l'argent ça pour yo 230 combien millions de dollars américains. C'est comme si on pas comprend un rien dans cob là. Attendez oui. Puisque me dit ça. Un projet 10 ans lié puis passer 11 milliards de dollars dans premier sommet à Tegeta disponible. Sans compter l'autre pays pour rentrer où. Un paquet de pays tant coup Autriche, tant coup Australie, tant coup la Norvège, Arabie Saoudite, l'Espagne, tant coup Japon. Tout pays ça va rentrer dans projet là dans programme là yo va rentrer pour bay cob yo tout dans question le Canada pral bay pile cob ça veut dire nous wè gen bagay qui fait gen bagay qui était disponible pour ta reconstruire Haïti. Eh bien qui ça n'a yo vinn fè Michel Matéli en tête Kounia prend la relève dans question avec Laurent Lamotte pral vini tout à l'heure pral ouais rentrer Laurent Lamotte dans question yo programme yo construit un premier programme renforcement capacité financé par FRH là pour gérer question risque avec des as qui est évalué à environ 600 abris d'évacuation existants et a lancé la réhabilitation de la reconstruction de 15 abris prioritaires. Ça a été relé en battant yo. En battant yo. Tout le monde qui t'a vu Fort-de-Prince passer en battant. Presque tout le monde.
presque tout le monde. Famille pas passer en battante vraiment. Alors même si une grande pile famille qui est en battante, il y a une famille proche même pas passer en battante. Alors parce que nous pas de craser, nous pas rentrer dans la question dormir en battante vraiment. Rentrer dans ça veut dire les camps. OK, camp. Il y a un pile monde t'est passé dans camp. C'est là où. Et un pile monde pas passé dans camp. Eh bien, programme ça, programme fait quand? C'était fait environ 600 abris d'évacuation. Ça a été quand dans le pays? Moun qui était en battante dans le camp, yo. Quand la montée, quand c'est ci, quand c'est là, Delma 32, et quand qui était gagné, et Kaimeza là, tout le monde était dans le conséquent. Ça te rentré. C'est Michel Matelik qui vient à la question ça yo avec toute équipe li. Côté commencer manipuler question fond pour gagoter puis bien. Yon l'autre projet Matelik te vini encore avec toute équipe li. Projet de réduction des risques avec des as. Ça qui t'a pral mobiliser un ensemble d'organisations dans question hein? Environ 60 organisations paysannes avec protection civile t'es rentré dans question ça pour gérer avec activité tout pour sécurité alimentaire. Deuxième, là c'est deuxième bagaille. Troisième bagaille, yo dit FRH là t'es fait confiance à projet reconstruction logement communautaire qui t'es plus grand projet qui te gagné dans le programme nan. C'était projet logement dans la capitale d'Haïti. Attendez. Eh bien, projet ça était tellement lourd. M'a dit ça qui fait loi. C'est pas seulement équipe gouvernement Matelia qui était derrière. Banque mondiale, Nations Unies, tout tenant causé si là. Là encore, nous rejoignons causé recyclage, gestion débris, causé débris dans question. Malgré te gen environ 14 initiatives qui prend pour lui déjà, oui. Mais là, le refait surface. Raison simple, pas de jambes gagné recyclage qui fait vraiment. Pas de jambes gagné débris que tes jambes étaient ici fait, même si ou cop te débloqué, même si ou a un projet fait pour ça. Eh bien, ça qui t'a pris la cause, dans moi qui passe déjà yo, avec ça qui a vini yo, gagné 19 bailleurs de fonds qui contribuaient pour projet si là, puisque tout était intéressant, yo est le plus gros projet. T'es gagné 335 millions de dollars qui déjà qui transféré depuis bien avant date là pour causer si là en pile pays tant qu'au Brésil, pas oublier Brésil c'était premier pays qui bail l'argent, Canada, Japon, Norvège, Espagne, tout pays ça yo te bail l'argent, te contribué pour reconstruire Haïti. Non, causer cela. C'était extrêmement intéressant et important tout. Émission en longue, mais sont très belles émissions. Eh bien, nous allons finir, oui. Nous allons plus rapide pour nous finir. Gouvernement haïtien, lui-même, qui était en pimpin dans la question, avec notre tête li Michel Matéli, eh bien c'est eux même qui t'ont changé manipuler question yo pour te arriver nan niveau si là avec causer gestion l'argent 12 janvier 2010 là. L'autre date important, nous aller plus rapide. C'était 25 juillet 2011. Yo vini avec un programme
vraiment programme bidon, ça nous même en pile moun pral wè ki programme niye. Un programme qui était évalué à 30 millions de dollars américains, qui était le 16-6. Ça a le 16 quartiers, 6 camps. Côté pour te construit des maisons parasismiques, logements pour moun. Et bien projet ça, c'est la donne. Je dis à soutenir ou pas qui fait dans mon éculio. Et bien c'est des projets ça, des projets si là. Projet ça, programme ça, c'est pas un projet non, c'est un programme qui t'a coûté 30 millions de dollars. Alors dit mon ek, mon mon éculio, c'est mon le cap coûte qui coûte nous cher là, qui coûte cher avec la République. 30 millions de dollars. Dès novembre 2011. Yo vini avec un autre projet, ça la production et distribution de lait pour 3000 timoun dans pays d'Haïti. Mes amis, ça elle dit et dit nous des bombes des boutons des haïtiens ont rentré là dans le vin plus gagot net mon cher. Production à distribution lait pour 3000 timoun pendant 2 ans qui t'a coûté nous 2 millions de dollars américains. 12 janvier 2012, 2 ans après tremblement de terre. Date important. 50 millions de dollars. Yo promet Haïti encore. Parce que yo trouvé et après 2 ans, pays a besoin de construire. Et bah yo tout senti. Nèg ki t'ap jere question. Hein? D'ailleurs, même yo même ki t'ap jere. Et tap travail au profit d'Haïti. 50 millions de dollars. Yo te bay Haïti encore pour deuxième anniversaire tremblement de terre là. Eh bien, 23 mars 2012, yo pral lancer un autre programme. Ce qui est le plan, lancement du plan de réduction des risques avec des risques sismique dans le nord. L'agent a rentré fonegyo dégagé yo fait causer pour yo wè côté pour dépenser l'argent. 10 millions de dollars américains mouno cap yo. Mouno cap yo. Yo te font un projet pour te diminuer ça avec désastre et risque sismique qui gagne dans ville cap. Est-ce que risque pas toujours là? Selon ça m'apprend et moi mal au cap moi toujours là. Et ben nous t'écouter pays d'Haïti 10 millions de dollars américains 23 mars 2012 au cap haïtien. 30 mars 2012 ministère planification rejoint comité pilotage là parce que yo trouvé c'était nécessaire. Faut que l'argent joigne tout nèg faut tout nèg dans gouvernement joigne un petit bagaille. Nous va prêter sous ça. 28 septembre 2012, yo font gros réunion de haut niveau sous causé FRH là, CIRH, CIDH, IH, IDRH, tout moun sa yo avec tout moun, tout comité qui te gagné pour gérer question fonds. Tout le monde qui était impliqué avec donateur, eh bien, réunion au niveau ça, qu'est-ce qui était programmé, c'est là, et le fameux Laurent Lamotte par l'entrée dans Causea. Michel Martelly, Laurent Lamotte, laissa la famille Clinton, Hillary Clinton, Bill Clinton, et Williamson Clinton, et toute famille Clinton, non, oui? Pour nous poser question. Avec tout donateur, bilatéraux, multinationaux, multilaté ou tout est la net. Côté Laurent Lamotte mandé pour créer un autre comité. Et comité ça c'est CEA. Création yo créé là nous en septembre 2012. Comité de l'efficacité de l'aide. Laurent Lamotte papa.
et c'est lui qui a géré là tout le gouvernement. Laurent Lamotte tonton qui rentre dans la question. Là nous 28 septembre 2012. Nous font gros réunion par bah, comment Laurent Lamotte convainc et j'ai l'impression c'est période ça yo bay la famille Clinton nous parti dans pays ya pour convaincre parce que pour Laurent Lamotte qui rentre dans la question pour le contrôle li. Là nous septembre 2012. La question. 9 octobre 2012. Projet 6, 16 ans encore pour débloquer l'autre l'argent. Ça a fait avec nous, pas qu'on est. Nous sommes 9 octobre. Là, nous sommes 9 octobre 2012. On nous garde. Nous débloquons l'autre l'argent pour 16 par 6 là. Projet, programme 16 par 6 là, m'explique nous. 16 quartiers, 6 camps. Elle dit. C'est un projet pour te faire caille pour moun qui vivent dans camp yo qui t'en battante yo ça était en battante. Eh bien 9 octobre 2012 yo débloqué on voum l'argent pour te ka mette retirer moun qui en battante environ 11 000 moun 11 000 familles qui était dans 50 camps dans pays et dans Port-au-Prince. Côté, ces périodes ça, pour yo, yo te signé projet si là, et c'est lui même, c'est juste ça tout yo te commencé avec projet Monécule là. 9 octobre 2012, projet Monécule là, c'est là ça a commencé avec. Eh bien. On rive là pour me dire nous et là me besoin rive là côté nèg ici méchant pile et c'est là depuis les Laurent Lamotte entre dans question personne moun pas vraiment qui contrôle fond pour la reconstruction d'Haïti là c'est un paquet de projets bidon seulement qui rentrer dans causé là avec question la République des ONG qui rentre dans question hein on paquet ONG gen voum kop nan men yo personne moun pa konn ki sa ou fè avec yo fè ti projet bidon yo gagote l'argent pays d'Haïti a et bien nou ka comprendre nan 2 ans fond ki te disponible sou 10 ans gagote à 71% tande fond qui était disponible pour développer d'Haïti sous 10 ans gagoté à 71% et sous des régimes politiques vérité commencé sous Préval et puis arrivé sous Matéli fini il fini là jodia nous même si nous voulons nous ganti moun si nous voulons comprendre na comprendre na connaît qui ça nexao qui va les dégâts yo fait avec pays a et qui va les crimes yo fait dans pays a après tout monde ça au fin mouri dans catastrophe naturelle nèg yo pas prend conscience pour yo te connaît pour yo fait un ensemble de bagaille pour empêcher gens de causer ça répéter encore et qui va le faire 11 ans après tremblement de terre passé dans grand sud li fait tout dégâts sa yo et raison simple c'est parce que nous pas géré bien du tout causé question 12 janvier 2010 là sur le plan politique rien pas réglé pas aucun changement qui fait nous c'est crise sur crise qui gagne dans pays là ça veut dire pas besoin faire en pile temps la donne c'est crise sur crise qui gagne dans cause là si nous m'a baissé tête de temps en temps me dit nous et t'as là j'aime te dire nous technicien tout matin pendant m'a fait émission et c'est crise sous crise qui fait dans pays là sur le plan politique nous vinn plus mal si donateur pas de vle parce que on t'ai trouvé depuis bien avant 12 janvier 2010 pays a été dégradant nous t'ai faible nous t'ai con l'état qui faible et bien
12 ans après, nous venons plus mal. C'est crise sous crise qui a fait seulement dans le pays. La crise politique. D'ailleurs, regardez dans quel niveau nous vivons là, je dis. Et regardez dans qui ça nous tombe. Pas de aucune institution et démocratique qui est élue dans le pays. Celle qui reste Sénat, nous dans qui scandale qui est. Comme si c'est faveur ou faire priorité et faire ce mandat. Nous dans qui ça nous arrive. Question constitution. Pas gen ça encore dans pays a pas gen cause constitution dans pays encore tout monde a fait ça ou vle sur le plan social nous est à quel niveau criminalité vinié dans pays a question insécurité à nous est à quel niveau li vinié question banditisme nous est c'est la république des bandits et qui gen dans pays a ça veut dire jodi a nous gon république barbecue iso et l'amo sans jour dans pays a yon qui n'a prison qu'a prévoqué bandi l'état a prévoqué moun nan gouvernement bandi a prévoqué bandi qui n'a équipe li pendant la prison et ben c'est ça qu'a réglé jodia c'est kidnapping qu'a fait dans pays a question éducation crasé moun pas intéressé avec l'école encore pour qui ça et par rapport avec toute crise politique qui gagne yo ou pas gagne temps pour l'école laissez pas manifestation bloquer la gagne c'est épidémie laissez pas causer ça yo qui gagne c'est une autre question. C'est gros manifestation dans la rue tout le temps. C'est catastrophe naturelle qui, je dis à tout le monde désintéressé avec question éducation, c'est un petit juif, un petit minorité juif qui toujours à l'école. À l'école, c'est pas pour soit un avenir et pas pour soit un demain meilleur, mais à l'école parce que sous pas à l'école en Haïti, son jouement lié pour vous. Même si tout à l'école, son jouement lié. Ça veut dire nous avons une situation lié sur les plans social avec politique. En X sérieux. Sur le plan économique, nous venons plus mal. Regardez question dollar, regardez qui j'en allais. Regardez déficit budgétaire. Et nous y est. 2010, yo te aidé nous éliminer tout déficit budgétaire. Nous allons nou profiter de ça pour nous gérer question. Eh bien, je dis, regardez à quel niveau déficit budgétaire que nous y est. Regardez question, regardez entreprise, yo nous. Regardez, de jour en jour, au lieu, nous avons entreprise qui prend plus de monde pour question. Pour faire création d'emploi dans le pays, il n'y a pas jamais de création d'emploi qui fait. Entreprise qui déjà là, qui a un petit job, regardez qui ça fait de temps en temps, soit retiré dans le salaire ou bien révoqué. Parce qu'il a fait face avec des problèmes économiques, eh bien, de jour en jour, le pays a vint plus mal. Nous vint plus mal à tous les niveaux. Tous les niveaux. Pas de aucun côté qui a dit là, dans le marché. Tout petit côté qui a fait effort, ça a crasé. Dans la culture, nous avons une fierté dans la culture. Je dis, toute fierté pour nous, c'est un monde qui peut évoluer à l'étranger. Dans la culture, nous n'avons pas à fonctionner, pas de théâtre, pas de cause de cinéma, nous n'avons pas à faire balle encore parce que nous n'avons pas à passer pour aller dans la balle à cause d'insécurité dans le pays. Ça veut dire, c'est pour montrer que nous venons plus mal et après 12 ans, 12 janvier 2010, et nous avons supposé un pays qui développait. Si nous prenons depuis le premier sommet qui était fait pour reconstruire Haïti, qui était fait en République Dominicaine, les tout pays étaient d'accord pour venir supporter Haïti. Un paquet de pays en Asie et puis pays qui ont gros l'argent, Arabie Saoudite, un pays, le Japon, l'Espagne, l'Angleterre, Canada, États-Unis, Brésil, Norvège, Australie. Tout pays ça a été contribué à gros volume d'argent. Je bah même pas parler des particuliers, des mondes et des fondations internationales qui viennent de nous. Eh bien, qui ça a été nous? Qui ça nous fait avec nous? Rien. Je dis à fois qu'on comprenne d'où. Même international la permet et qui baille Kobla, eh bien, ils participent dans gavoter l'argent tout. Mais avec complicité haïtien, gouvernement haïtien. L'aurait remarqué, même si international a fait et financé 40. Et alors, 14 initiatives pour la reconstruction d'Haïti, initiatives pour renforcement et institutions qui nous gagnent, alors, entreprises nous, renforcement institutions publiques, avec pour te régler, causer débris, avec reconstruire ensemble de logements. Mais regardez, les minimes par rapport avec tout milliard qui gagote. Regardez toute initiative qui a été prise avant le gouvernement haïtien de rentrer à fond dans la question. Pas même rivé $1 million. Eh bien, imaginons, si nous avons dit, ensemble de aides qui étaient disponibles pour Haïti, évalué à plus passer $15 milliards après 12 janvier 2010. Qui ça a eu-il nous?
L'argent qui largement dépassé comme Petro-Caribéa que nous gagoté dans même époque là tout. Ça veut dire nous gagoté l'argent pour reconstruire Haïti aide avec don international de nous et puis nous gagoté l'argent Venezuela te permettre nous gagner dans cause Petro-Caribéa pour nous reconstruire Haïti. Ça veut dire nous remarquer son régime PHTK avec vérité l'espoir moun sa yo fait nous en pile mal et yo la cause des gens n'a vivre dans pays d'Haïti. Merci tout moun, c'est une émission spéciale me fait jodi a émission débat public très spécial sur cause 12 janvier 2022 jodi a 13 janvier vraiment mais hier nous pas là t'expliquer pour qui ça qui nous pas là mais jodi a nous font émission assez spéciale pour nous parler des questions hein? Et me penser pays a et après remercier et moi même tout consciencement à plus en paix parce que pour une deuxième fois me parler dans cause de ça me parler pour 10 ans les ça c'était sur l'autre plateforme télévision et jodi a sur une plus gros plateforme plus mon attendez plus mon comprendre tout et me penser me venons ensemble de bagaille ensemble de dates importantes me citer ensemble de noms importants tout nous va louer ensemble de pays qui t'ai participé et dans cause ya et qui groupe moun qui t'ai participé dans gagoter l'argent. Merci tout le monde, c'est un plaisir pour ensemble avec nous. Avec nous c'était moi-même Isaac Léo et nous prenons rendez-vous pour une prochaine émission débat public, c'est pour demain. Laissez nous faire émission normale là. Côté nous pral et commenter actualité qui gagne dans pays d'Haïti. Allez bye bye tout le monde, moi-même nous en pile et avec moi c'est pour Jean-Pierre Dia, c'est pour un autre numéro et débat public. Soyez bénis.